jusqu'au paradis, que les anges vous conduisent à votre arrivée, que les saints vous reçoivent et qu'ils vous introduisent dans la cité du ciel. Donc là, vous restez avec votre famille. Excusez-moi, messieurs, dames. Donc, la cérémonie au crématorium. La cérémonie au crématorium est prévue à 13h30 à la coupole du Père-Lachaise. Je vous remercie. Et après la cérémonie de la coupole, pour ceux d'entre vous qui le souhaitent, on se retrouvera à la maison pour une petite collation et pour faire une petite veillée en mémoire de Pierre pour ceux qui le peuvent ou le veulent. Voilà. Merci. Madame, avec tout le respect, mes condoléances. Je suis journaliste sur YouTube, je suis congolais, j'habite au foyer là, j'ai tombé sur vous. Il a quel âge, comment il s'appelait, madame? J'ai vu les gens, il est gentil, ça se voit. Pierre, il avait 77 ans. Merci beaucoup, que le bon Dieu vous bénisse. Pierre, que votre âme repose en paix. Merci. Merci beaucoup, on a l'église pour accompagner notre frère, notre papa, notre oncle Pierre, qui nous a quittés. Mais il va se ressusciter comme au dernier jour. Jésus a dit, les morts ils vont ressusciter. Donc Pierre, il sera ressuscité au dernier jour. Mais c'est bonjour avec tout le respect, parlez même deux minutes, monsieur. Vous êtes un ami de Pierre, son cousin, son frère, s'il vous plaît. Oui, tenez le micro, s'il vous plaît. Je suis un grand ami de Pierre. Oui. Je suis beaucoup de peine. J'ai des souvenirs extraordinaires avec lui. Et je veux garder ces souvenirs. Je suis de tout cœur avec Aïna, sa femme. Merci, je ne vous embête pas beaucoup. Mes condoléances. Madame, bonjour, madame. J'ai vu mon frère avec tout le respect, s'il vous plaît. Deux minutes seulement de parler, parce que YouTube, mais ça comme ça, c'est les réseaux sociaux. Tenez, vous êtes de quel pays, s'il vous plaît? Avec tout le respect, papa. Je suis là, je suis un citoyen du monde, je suis d'ici, merci. C'est votre collègue de travail ou bien votre ami? Oui, un collègue. Merci, Dieu vous bénisse. Merci. Attendez, il y a le flair. Pierre ne part pas toute seule. Les amis l'aiment. Quand on va dans les deuils, les gens sont entourés comme ça. C'est que le monsieur, il était beau, il était gentil. Regardez, c'est comme les Congolais. Quand on a un deuil, on est bien habillé. Donc, merci beaucoup. C'est, madame, bonjour. C'est une star, c'est un ministre. Il est qui? Il était qui, toi, bon? Avec tout le respect. Parce qu'il y a beaucoup de monde bien habillé. Et je veux savoir, il était qui? Merci, ils sont silencieux, ils ne parlent pas. Bonjour, monsieur le ministre. Bonjour, avec tout le respect. Pierre, les gens l'ont accompagné à sa dernière demeure. Pourquoi? Il était qui? Ministre? Ancien ami de Chirac ou de Sarkozy, s'il vous plaît, avec tout le respect. C'était un homme exceptionnel. Ça se voit. Donc, vous êtes son frère, son cousin ou bien son ami? Un ami. D'accord. Mes condoléances à toute l'Afrique. Parce que je suis africain, je suis du Congo Kinshasa. Très bien, gloire à l'Afrique. Merci beaucoup, tonton. Dieu vous bénisse. En tout cas, madame, excusez-moi, avec tout le respect, je suis chroniqueur maintenant. YouTube, c'est les réseaux. Bonjour. Je n'aime pas YouTube. Merci beaucoup, ça voilà. Va des choix. Mais je vous dis bonjour quand même. Mais vous êtes belle, madame, vous êtes belle comme Rihanna, c'est pas grave, votre beauté m'a consolé. Allez, Dieu vous bénisse, accompagnez Pierre à la dernière demeure. C'est Dikono Mputu, James Bond, meilleur chroniqueur de Paris, meilleur journaliste de Paris. Suivez-moi au métro Paris-Kinshasa, meilleure chaîne YouTube de Paris. Donc animé par James Bond, meilleur chroniqueur de Paris, Dikono Mputu, James Bond. Madame, bonjour, madame, excusez-moi. Vous êtes sa fille, sa petite fille, avec tout le respect, madame. Des mots seulement. Merci beaucoup. Madame, excusez-moi, vous êtes. Merci. Madame, pardon, vous êtes de la famille? Merci.
madame, excusez-moi, bonjour, vous êtes de la famille, madame. Même des mots, papa, bonjour. Vous êtes de la famille, un ami de Pierre. Je suis journaliste, monsieur. Merci, c'est pas grave. Madame, bonjour, vous êtes de la famille, une amie de Pierre, ou bien comment, excusez-moi avec tout le respect de vous embêter, Pierre. Mes condoléances d'abord. Tenez le micro. Ami de Pierre, ami d'Ania, et Pierre était une personne exceptionnelle et c'est une grande perte pour tous ses amis. Quel souvenir Pierre vous a laissé, vous a marqué? Excusez-moi avec tout le respect, merci de répondre à mes mots. Des souvenirs de moments de joie, de bonheur. De divertissement ensemble et puis un grand esprit, oui. Beaucoup d'humour, très fin, une très belle personne. Merci beaucoup madame, merci. Je vous dis pour vérité que j'ai un poème pour vous, comme les radars flashent les voitures, votre belle voix a flashé mon cœur. Vous allez nous suivre au métro Paris-Kinshasa, mère chaîne YouTube de Paris, animée par James Bond, Zikondom Poutou, mère chroniqueur de Paris. Madame bonjour, vous êtes, bonjour madame avec tout le respect, mes condoléances. Vous êtes un membre de la famille, sa sœur, sa cousine ou bien Pierre? Parce que j'ai vu que Pierre, il était adoré. Je suis une amie de son épouse. Ah d'accord, voilà. En tout cas, il vous manquera beaucoup. Hein? Oui, je suis là pour soutenir son épouse. D'accord, quel souvenir Pierre vous a laissé? Vous allez penser que Pierre, si Pierre était là, quel souvenir madame, avec tout le respect? Ses grands yeux bleus. Il avait des yeux bleus? Des grands yeux bleus, lumineux, voilà. Madame, merci, je vous embête pas beaucoup. Merci de parler à mon micro. Ah, je m'arrête là, la fête est finie. J'ai vu Christine Bravo. Madame, vous travaillez à la télé? Merci beaucoup, madame. Dieu vous bénisse. On est au funérailles de Pierre au métro Bobigny. Donc, je suis en train de faire l'émission. Pierre va aller maintenant au dernier des mères. Madame, je vais vous donner l'adresse pour prendre la vidéo, madame. Vous allez le mettre sur son cercueil, vous allez faire les objets. C'est pour ça que je pensais le permet de vous dire, parce qu'il est tellement bon, c'est un geste qui a un sens. Là, je vais mettre Est-ce que vous pourrez arrêter maintenant?